J'étais de retour. Je n'avais pas pu m'échapper. J'avais pu lire la page de titre d'un autre manuscrit. Return. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit, mais il m'était familier. Important. Je devais le trouver. J'écrirai un nouveau jet pour Initiation, pour atteindre Parliament Tower depuis une autre scène de crime. Grincement sortait de l'entre-noir pour atteindre Alice. Même dehors, elle était en danger. Notre invité de ce soir est Alan Wake. Cette fois, on voulait faire quelque chose d'un peu... J'étais de retour. Et je n'avais rien oublié. Je savais quoi faire. Je reprendrai le contrôle. Fini les surprises. Inspiration, des démons qu'il affronte aux heures les plus sombres de la nuit. Accompagné de notre groupe fétiche, les divins All Gods of Asgard, nous vous avons concocté une petite surprise. La chanson s'appelle Herald of Darkness. Mais je trouve que ça sonne mieux en... L'histoire du voyage d'Alan Wake, la comédie musicale. On procède comme on le fait toujours, on discute. Impossible d'ouvrir depuis ce côté. On va chanter! And sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say.
Bible. And all your stories of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Thank you.
C'était intéressant. Une vision.
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. I gotta figure it out. Qui me disait que ça ne pouvait pas être plus étrange. Ce spectacle auquel s'adonnait l'entre-noir, il m'était vraiment destiné. Mais je n'avais aucun contrôle sur lui. Je savais combien j'étais perdu. Le téléphone sonnait encore. L'appel mystère recommençait. Je devais enquêter. L'histoire que je concevais était fragile, constamment menacée. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre noire n'était qu'à un pas derrière moi. Alan Wake, vous savez qui je suis ? Comment je pourrais le savoir ? Oh, quel foutu caractère ! Heureusement que je suis pas un paparazzi. Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez ? Vous ? Oh, bordel. Alan, écoutez. Dites-moi de quoi vous vous souvenez au juste. Vous êtes allé à Parlamentoa ? Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Ouais. Alice est en danger. Grincement essaie de l'atteindre et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return ?
Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'entre-noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. L'hôtel Ocean View. Une invitation suspecte à un rendez-vous très louche. Un décor parfait pour le genre polar dans lequel baignait toute la ville. L'hôtel Ocean View. Ma destination. Une boucle qui m'avait renvoyé dans la rue. Qu'avait dit la voix au téléphone? Si les vagues ne cessent de te repousser, tu n'as plus qu'à trouver une autre entrée. L'entre-noir m'empêchait d'aller par là. Avec seulement une logique onirique pour rejoindre l'hôtel, je me repérais aux enseignes lumineuses. C'est vous, Lothmer, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Vous vous trompez d'homme. C'est Grincement. Il n'y a pas de temps à perdre. Je n'irai nulle part. J'étais crevé. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps. Toute cette putain de merde.
Il m'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir, c'était moi l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer, s'insinuait dans ma tête, m'empoisonnait de ténèbres. Je devais trouver un moyen de m'enfuir avant qu'il soit trop tard. Encore une fois.